Et bonsoir. Alors, on va reprendre le jeu. Ah, la manette. Je vais chercher la manette. Toujours le même problème avec moi, les notifications. J'aime pas les notifications. C'est très bien en plus ce que c'est. Donc voilà. Appuyez la notification. Du coup, chargé. Dans les jardins. J'avais dit qu'on se promenait dans les jardins. Je l'avais dit. Du coup, la dernière fois, on avait fait quoi? Non, je peux rien faire pendant cette phase de chargement. Tester. On s'était promené. On avait fait la truc. Bonsoir à tous et surtout à toi dont je supporte la voix deux soirs d'affilée. Ouais, mais hier t'es venu la chercher, ma voix. Non, la dernière fois on avait fait quoi? On avait un bruit bizarre. Alors déjà, je vais baisser ça parce que ça m'explose les oreilles. Ouais, la dernière fois, on avait fait le monde de l'esprit. Coucou. Mais quel est cet étrange langage de toi, de ta part, Lucos? Je peux regarder le titre au passage. Ça va, Albirec? Ça va, Lucos? Voilà. C'est plus l'énatique. Attendez. Moi, je veux courir normalement, voilà. On vise comme ça, on vise comme ça. J'ai plus de vie! Ça va? Tant mieux si ça va. J'ai plus de vie. Et j'ai rien pour me régénérer. Yes! On va crever, je le dis à chaque fois, mais là, ça sent la mort! Et je dis pas ça parce qu'il y a plein de cadavres dans le cimetière. Ça va, le pot, donc oui, ça va. Dans un bon fauteuil avec un live de qualité. Ah, tu regardes quel live? Tu regardes quel live en plus du mien? Hep là! Raoul! Don't move! Je t'avais dit de pas bouger! Ça commence bien avec un headshot. Voilà! On va dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais c'est mal de mentir. Ouais, et puis même, live de qualité, on parle de mon live, Alberec. Mon live, c'est plutôt à la bonne franquette. Ah, mais tu me molardes à la gueule, mec! Prends ta balle! Ça va être compliqué, là. Mais pas vous le cacher, la mort, elle pointe le bout de son nez, hein. Bon, pour te dire, c'est le live de la NASA, mission Artemis. Ouais, bah forcément, c'est plus intéressant pour moi, je comprends. Je comprends parfaitement. Oh, je suis mort. Voilà, première mort, c'était obligé. Le mec qui m'a mollardé, je l'avais pas vu arriver. Une nuit mémorable. Bon, bah, succès de la première mort. Ah, j'étais obligé, là. J'avais plus de vie, je pouvais pas me retourner pour lui mettre une balle et je courais pas assez vite pour le tracer et faire le tour. La mort semblait la meilleure option. You're dead. Sans deck. Du coup, ça fait quoi maintenant? Je peux revenir au menu ou je veux plus du slip? Ce qui n'est pas vrai, hein. Ouais, bah, je reviens là, putain. Heureusement, j'avais pas encore fait grand chose ce soir. Me suis vengé aujourd'hui. Tu t'es vengé de qui, Lucos? Putain, moi j'ai essayé de lancer ma clim réversible là pour avoir du chauffage un peu mieux dans ma maison. Une panne! Il y a une panne dessus, mais c'est pas laquelle c'est. Du coup, c'est la merde. Ah, je vous la fais simple. Voilà, merci de crever. Parfait.
plaindre. Voilà. On va l'accueillir comme il se doit, le gros, là. Ah, mais putain, forcément, dès que je recharge, il... Ah ouais, hein? En fait, moi, le malin, là! Bon, j'ai plus de vie! J'ai plus de vie et j'ai plus de balles! Mais en fait, moi, le malin, là! Bon, je dois avoir de nouveau de la vie. Je me prends une claque. À peu près, et je décède. Hein. J'ai de quoi prendre une claque, après je décède. Ah, toujours le même bug qu'hier hein, pour la petite. C'est rigolo. Ah, j'aime pas quand j'active le chauffage électrique de mon étage. Ça se voit que c'est des vieux grille-pain, les radiateurs. De ma pseudo-directrice du mercredi qui allait décider de supprimer la possibilité de faire des projets sur plusieurs séances. J'ai fait passer la peinture sur figurine en activité de mauvais temps. La peinture sur figurine, il n'y a que ça de vrai. Mange ma balle, Raoul. Merci, Raoul, de décéder. Encore. Alors, notez une notification par rapport au truc comme hier. Pour ceux qui étaient là. Non mais oh! Je gère plutôt bien, hein. Il y en a encore un. Je le vois là-dedans. C'est quel genre? C'est un classique. Je peux l'affronter. Ah! Bouge pas ta tête, Raoul! Raoul, prends ta balle et décède. Et en passant, j'aurais besoin de munitions. Merci. T'as du sang à tes pieds. Tu es mou. Ouh ! De la vie. Mon Dieu que c'est bien. Ah. Ah bah là on se sent mieux, on a quelques munitions en plus, on a de la vie. Que demander de plus? La porte a une poignée manquante. Ça tombe bien, j'ai une poignée. Quel hasard. Et il y a des plantes. Et personne d'autre. Ça sent l'arnaque. Des munitions. J'aime pas trop beaucoup ça quand on me donne trop de munitions. Non, ça va. T'as cru quoi? J'étais de la dernière fouille, mais non, j'allais devoir arriver, je l'avais senti l'arnaque! Oh, en plus j'avais 14 balles de fusil à pompe! Oh, ma zette! Note du jardinier. Hier soir, c'était ma première expérience avec l'un de leurs rituels. Et je dois dire que c'était une expérience intense et déchirante. Je ne sais pas si ce que j'ai vécu était une hallucination ou la réalité, mais quelques heures après avoir ingéré cette infusion fétide qu'il fait préparer par ses spires, j'ai commencé à me sentir très mal, à délirer. J'ai vu plusieurs des membres de la secte se transformer en abominations innommables, comme des cannibales voraces qui avaient perdu toute humanité. C'était horrible de le voir se transformer en animaux humanoïdes, voraces. Je ne suis pas sûr que mon breuvage ait été différent des autres, car mes symptômes ont été plus étranges que les leurs. Je ne me suis pas empêché de vomir, mais m'ai mis plein la cour. Je ne sourirai plus tard. Je pense que la journée à arroser et à soigner les plantes, tout en vomissant à tour de rôle, d'étranges vomissures dans la cour extérieure,
en espérant que personne ne me dérange ou que je ne vois pas de malheureux initiés qui ont eu... Non mais attends, c'est... Ouais. En gros, il a germé pendant le taf, quoi. Il avait trop picolé. Par mesure de précaution, j'ai verrouillé le portail avec une clé spéciale que le maître a fabriquée pour moi. Le maître parle de portail et d'autres mondes, que ce portail retiendra les bêtes tant que ne sera pas touché par de mauvaises mains. Maintenant que je l'ai mentionné, je me souviens aussi que qu'il a dit quelque chose à propos de... Le temps de notre domination est proche. L'architecte va bientôt nous construire un nouvel avenir. Je ne comprends toujours pas... Je ne comprends toujours pas toutes ces histoires de magie ou ces dieux avec lesquels il prétend communiquer, mais je le crois sur parole. Si quelqu'un lit ceci, je prends ma journée pour me reposer. Je me sens... Patraque ? Mourant ? Décédé ? Décédé sûrement, hein, parce que je lui ai sûrement mis une balle. Non. Non. Voilà. Ah merde alors. Ouais. Ah bah ouais, non mais là il m'a coincé dans un coin aussi. Il m'a pris dans le coin, le salaud. Rien par là, à part potentiellement un autre monstre qui va apparaître. Non. j'ai tenté de le faire apparaître en l'invoquant. On nous dit des fois il faut regarder où elle regarde la fille pour savoir s'il n'y a pas un indice qui n'était pas visible pour avancer. Ça n'a pas l'air d'être le cas, hein. Elle regarde toujours droit devant elle. Alors, elle regarde fièrement devant elle. Trois notifications, attendez, c'est toujours le même Discord ou... Non, parce que si c'est un autre Discord, ça compte pas. Ah, c'est deux autres Discord, ça compte pas. On va essayer de combattre pour ne pas essayer de regarder les notifications aujourd'hui. Bon, il dit qu'il a fait une clé spéciale, le maître, pour lui. Ok, mais elle est où ta clé ? Je peux pas ouvrir le meuble, je peux pas ouvrir. Non, c'est juste qu'il y a un cinq voix qui a vomi partout ici, quoi. Mm-hmm. Vous sentez le fait que je suis déjà bloqué ? Non, parce que moi je le sens gros comme une maison là. Bon, il a gerbé partout. Un peu de vomi. Donc, vomito. Où est-ce qu'il est allé ? Bon, on va rentrer là pour checker, j'ai pas oublié quelque chose, mais bon. Point de sauvegarde, tac 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 tac. Y a rien là. On a fait le tour, on est sûr. La dernière fois aussi. Attends, je vérifie quand même, mais... Ouais, non, j'ai... J'ai plus de munitions, hein, de nouveau, mais ça, c'est autre chose. Ah ah ! Dans le bidon ! Bah oui, on va remplir la... Il était pas là avant lui, hein. Ah non, elle regarde devant elle.
Ça veut dire il a disparu, mais non, il est encore là. Tu bouges plus, toi. J'entends encore gémir. C'est pas normal, en théorie, j'ai tué tout le monde. Il faut juste que j'essaye de... Bon, j'ai pas essayé d'ouvrir le portail. Vous allez me dire, ça se trouve, c'est aussi con que ça. Hein. Ah. Essayons d'ouvrir le portail. Il a pas bougé Raoul. Hein. Il a pas bougé Raoul. C'est bien. Bon Raoul. En disant qu'il est magique et s'il est touché par de mauvaises mains, c'est la merde. Touchons-le. Bon bah on pouvait l'ouvrir. Ah bah écoutez. Ça a l'air vachement grand. Ça a l'air vachement grand, j'ai vachement pas de balles. Un vomisseur celui-là. Hein. Ah parce que je surveille aussi les autres endroits où... Ouais genre tu pètes pas. Ah, il pète pas si on lui tire comme ça dessus, enfin si on le tabasse comme ça. Alors attendez, c'est une petite serre. C'est une petite serre, il y aura forcément un monstre qui va apparaître. Mais on va prendre les trucs de soin, c'est toujours pratique. Ok, on va essayer l'autre. C'est quoi, des munitions ? Des balles de pistolet, oui. Ah ouais. Plus corsé, il fallait le dire. Hein. Ah fuck, je l'ai vu lui. C'est vachement plus rapide de passer par le menu pour faire ces conneries-là. Que... Ah, je me suis loupé. Mais dans tous les sens du terme. Hein. Ah, tu ne mourras pas, Sankukai, je cours plus vite que toi et ton vomi. Alors, Vomito, tu pensais être meilleur que moi? Oh fuck, il y a encore un Vomito. Oh, et puis il y en a un au sol, oh fuck. Mais décède, s'il te plaît, Raoul! Ah, t'as perdu un bras, Raoul.
Vomito, je t'ai eu. Toi, tu seras Vomito, pas Raoul. Tu vomis, t'es Vomito. C'est logique. Des carreaux d'arbalète. Oui, on va les prendre. Est-ce que j'en ai réellement besoin? Non, donc on va les laisser. Parce que j'ai pas l'arbalète. Donc comme j'ai pas l'arbalète, ça sert à quoi de m'encombrer avec cette merde? Vous allez me dire, bah quand t'auras l'arbalète, oui, mais en attendant, je l'ai pas. On va tester tout droit. Il n'y a pas de monstre. J'aime pas trop beaucoup ça. Ouais, bon, j'aurais mis un monstre qui apparaissait en mode coucou, c'est moi. Mais non. Il est sage, il est gentil. Il est attentionné, ce jeu. Alors, Vomito, est-ce qu'il y a tes potes dans le truc? Ah, t'es nombreux là, Vomito! Je voulais voir en fait la porte là, mais. Elle fonctionne pas de ce côté-là. Ah ouais, vous êtes deux Vomito là, c'est compliqué. Está complicando. Enfin, c'est compliqué, oui, non, c'est l'histoire de quelques balles. Il y a des exemples de soins, ok. Pourquoi? Je trouve que ça pue. Oui, alors hop, on laisse ça là par terre. Ensuite, hop, tant, la pommade. Oui, c'est la pommade, la meilleure. Ouais, non, ça va. Boss? Bah ouais, on va rentrer dans le portail. Tu veux qu'on fasse quoi? On va pas rester là où on est, hein, clairement. Et là, nous avons affaire à... L'autre monde ou la zone de Pollux, là, la boîte de Pollux? La boîte de Pollux. Ok. Du coup, l'avantage d'avoir laissé traîner les objets par terre, c'est que je peux les rappeler pour zéro. Et ça, c'est cool. Vous voyez que j'en ai plein qui traînent des vinyles et tout ça, c'est cool. Je vais même récupérer ce qui n'est pas dans les... la zone actuelle. Mais du coup... Pas la carte de la zone, oui, je sais. Non, c'est pas par là que vous allez, c'était par là. Mais c'est donc pas par là qu'il fallait aller, quoi. Là, c'était ce qui nous permettait de récupérer des objets. Faut que je regarde la map en fait. Ah, l'échelle, voilà. Alors, en regardant la map, j'ai vu l'échelle juste avant, je me suis dit, bah, l'échelle. Et en regardant la map, j'ai eu confirmation que, bah, échelle. Il est dynamique. Raoul veut son pruneau d'Agen, parce que ça lui va bien. Par contre, Raoul, ouais, voilà, merci Raoul, hein. Non, mais l'autre, il ose résister à plus de 2 balles. Oh, merde.
Non mais toi t'as des pruneaux d'agent spécial, hein. Ils sont ultra corsés. Allez vomito, ta petite balle, attention. Attention vomito, c'est l'heure d'exploser. Je me suis pas planté, hein. J'ai dit c'est l'heure d'exploser, il a explosé. Oui, on prend les balles et on recharge son pistolet. Bruno, agent spécial pour toi. Ultra corsé. Tu m'en diras des nouvelles, mon neveu. Je sais pas pourquoi je m'affaisse quand je joue à ce jeu. J'ai l'impression plus que dans d'autres. Ah, il y en a encore un spécial corsé. Bonjour. Boum. Au revoir. Je sais que eux, c'est deux comme ça. Les membres à comment dire, à griffes, c'est trois. J'ai pas essayé sur les zombies classiques parce que ça m'intéressait pas. Ouh, j'ai failli me prendre un coup. Tiens, j'ai déjà vu ça. Laissez, hop. Combiné. Je préfère prendre ça que les disques de musique. Hein. Attends, je vois pas où on arrive. Ah, sauvegarde auto. D'accord. Ah oui, il y a la grille qui est fermée là. Ça doit être fermé, je pense que c'est fermé de l'intérieur. Ben voilà. Et ce dispositif là, je l'ai déjà rencontré dans les grilles. Dans les ruines. Et dans les ruines, c'est pareil, j'ai rien pu en faire. Pas ce nouvel sol. On va dire que cette zone, elle m'inspire pas du tout confiance, là, en 2 secondes. Sur la map, ça sent un peu le pâté. Ouais, bah j'ai compris, hein, Juan. Il est derrière moi là, je l'entends le salaud. Ah mais... Forcément elle s'arrête de courir. Alors déjà hop, utiliser. Hop, combiner, hop. Je crois que je vais t'arrêter. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire un pas d'esquive facile? Je suppose que par là c'est une mauvaise idée d'y aller. Ah oui, non. Non mais je peux pas esquiver ces attaques. En fait, le mieux que j'ai à faire c'est prendre l'attaque quoi. Bah non, j'ai réussi à esquiver une attaque par hasard. Soyons honnêtes, c'était par hasard. Ok, donc maintenant j'ai les clés. La clé du bas. Voilà. Allez, je...
Le problème, c'est que je me retourne pas assez vite pour esquiver après, enfin pour pouvoir éviter de me prendre le nion quand je suis trop près de l'ennemi. Ouais, cool, j'ai un disque de musique, ça me sert à quoi? Enfin, objectivement, tant que j'ai pas de salle de musique, ça me sert à rien, quoi. Bon, là, il y a une salle de musique. Ah, je suis là, d'accord! Et ben on va sauvegarder. Je suis en réfléchir aussi qu'il me fallait la clé bleue. Je crois que c'était dans les dans le jardin au-dessus. Combien de vie? Un petit peu de soin, c'est pas refusé. Hop, on prend ça comme ça, on l'a dans les mains. Ouais, ouais, je suis en train de me dire, dans les ruines, la porte qui est fermée en rouge, c'est... Attendez. Fermée en rouge, là, sur le côté, c'est... Je peux pas y retourner. C'est un mécanisme étrange qu'il y a, c'est pas... Là, on est d'accord, c'est genre un saphir bleu. Examiné. La porte du cimetière. Où le cimetière? Excusez-moi, ça fait une semaine que j'ai pas joué au jeu. J'ai plus Google Maps dans ma tête, là, pour savoir où est votre cimetière. C'est par là, ça je m'en souviens. Et le cimetière c'était tout en haut peut-être. Bon, on va faire le tour. Écoutez. Ouais, ouf ouf à toi aussi. On cherche une porte avec du bleu. Là, c'est plutôt rouge. C'est bien parce que je sais qu'en passant dans ce truc-là, je peux récupérer des disques facilement. Pour pouvoir faire des sauvegardes. J'ai trois zones de sauvegarde potentielles qui traînent. Ça, c'est violet. Apprenez vos couleurs avec Arto. Ah bah là, c'est bleu. Danger, chien de garde. Bon bah c'était pas là le cimetière. Alors le cimetière, ça serait la porte où j'ai dit bah non, ça peut pas être là. Bah tu vas me dire, on apparaît à côté des ruines, ça pourrait être logique. Enfin des fois la logique dans les jeux vidéo, c'est surfait. Voilà, j'ai 4 notifications. Oh, regarde ça, mais j'ai... Non, c'est pas bien. Ok. Ah, j'ai juste regardé d'où ça, de quel serveur c'était. Je suis sage. Comme une image. D'animé. Sympa ce petit simulateur de promenade, hein. Je vais me dire, si c'est pas là, je vois pas où ça pourrait être. Enfin bon, ça fait pas porte de cimetière, ça, je suis désolé. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors là, on était dans les jardins.
La bonne blague. On va retourner dans le jardin à côté, hein, écoutez. Oh, parce que là, il n'y a plus de porte à déverrouiller, soyons honnêtes, donc ça peut pas être là. Est-ce qu'on a vu des portes verrouillées dans le jardin? Oui, il y en a une qui était fermée de l'intérieur. On n'a pas trouvé comment aller à l'intérieur d'ailleurs. Ouais, donc non, ça doit être dans le jardin. Un saphir bleu, ça. Mais non, j'ai pas de saphir bleu moi sur ma clé. Je suis... C'est un losange bleu, c'est un saphir. Ouais, et puis je peux pas accéder à la suite du truc sans. On va refaire un tour, hein, écoutez. Je crois que le seul endroit où j'ai vu le cimetière. Bah ouais, mais non. J'aurais tendance à dire que c'est là-haut. 5 notifications. Marnie ? Je suis retapé une notification à l'instant ? Ah bah oui. Voilà. Alors là, on est d'accord, c'est verrouillé, ça peut pas être par là. C'est pas le truc en haut à gauche parce que j'y suis allé, ça m'a dit non. Elle déverrouille probablement la porte du cimetière. Là où on a tué le monstre. Il y a peut-être un indice que j'ai laissé passer. Je suis pas sûr, mais bon. Peut-être. Peut-être qu'il y a un indice que j'ai pas vu parce que je suis un peu un boulet. C'est bien, c'est que on m'a dit dans le jeu, vous ferez gaffe, faites gaffe à vos munitions, au bout d'un moment, vous en aurez pas assez pour battre tout le monde. Ça a été un problème pour le moment. C'est vrai que par contre, j'aurais dû essayer de me faire le monstre au couteau, j'aurais pas été rassuré. Ça aurait été en mode... Ah ! Au couteau, vous êtes sûr ? Ça va faire mal. Là, on est dans les ruines. On passe la porte. Ah, c'est peut-être les deux portes plus haut. Je suis con. C'est vrai que je suis pas allé. Oh le fuck, tu m'as fait peur, toi. Ah, bah non, j'ai pas ce qu'il faut pour t'affronter. On va fuir. Oui, bah grogne si tu veux. Hein, j'ai pas ce qu'il faut pour te la mettre. Il m'a lâché. Parfait. Vous l'avez déverrouillé et ça mène? Non, parce que c'est cool d'avoir déverrouillé un truc, mais j'aimerais bien savoir où ça mène. Je sens que ça mène au niveau du jardin. Yes. Ça me dérange pas parce qu'en fait je vais tester ça et ça va me permettre de voir s'il y avait des portes qui étaient verrouillées. Eh, pas totalement absurde le con. Donc là, il y avait rien de verrouillé. On va tester la zone d'en dessous.
Encore une notification, toujours le même serveur? Eh ouais, toujours à 4 maintenant. Au prochain virage, merci de prendre à droite. Droite! Plus il y a un tonneau à péter, il y a peut-être des trucs intéressants dans le tonneau, on sait jamais. Vous l'avez déverrouillé. Là, techniquement, ça va nous ramener dans les ruines. Parce que c'est logique. Hein, soyons honnêtes. Qu'est-ce que tu me veux, Spotify? Ok. Jusque-là, c'est honnête. Inutile, mais honnête et logique. On arrive là, et là, tin. Je pense qu'on verra rien de particulier. Mais... À moins que ça soit le truc tout en haut. Allez voir tout en bas. Ah mon petit Raoul, je t'ai loupé! Tiens, mon champ Bruno, droit dans la bouche. Tiens, un deuxième. T'as pas fait du bien, le deuxième. Désolé, mon petit Raoul. C'est moi ou le tas de feuilles, on l'a jamais rencontré jusqu'à maintenant? Monsieur le tas de feuilles, vous vous déplacez vachement vite en plus. C'est pas cool, monsieur le tas de feuilles. Vous harcelez une petite feuille sans défense. Et en plus, vous lui crachez dessus. C'est dégueulasse, monsieur le tas de feuilles. Je me fais malmener. Ah ouais, non mais là je le mérite mon coup, hein, monsieur le tas de feuilles, je vous l'accorde. Ah désolé monsieur le tas de feuilles, je le méritais ce coup là aussi. Ouais non mais là il faut pas pousser monsieur le tas de feuilles. On peut pas avoir un lance-flamme s'il vous plaît? C'est vachement bien le lance-flamme contre ce bestiau là. Ah non mais concours de gerbe les mecs. Un peu de tenue. Oh, il y a du sang. Oh bah là ça a l'air d'être un putain de cimetière. Je n'ai pas pu flinguer le tas de feuilles. Je lui ai mis 20 balles, quoi, dedans. Ce n'est pas plus. Et il en avait, mais rien à foutre, hein. Voilà. J'étais pas allé au bon endroit. Par contre, je voudrais des balles, s'il vous plaît. Oh putain, fuck. Dans combien de temps?
Non, parce que j'ai un peu cramé trop de balles sur le gros que j'ai pas pu buter, donc... J'aurais dû juste fuir. Pire, si je meurs, bah je saurais que j'aurais juste à fuir. Ah mais elle me vomit dessus aussi! On me respecte pas aujourd'hui! On a cru que j'étais un récipient à vomi? Ah non! Et sans cramer une balle! Y'a pas de petites économies! Et encore une fois, on me vomit dessus! Zéro respect pour mon bonhomme. Hein. Zéro respect. Zéro tracas. Putain, mais il est immense le cimetière. C'est immense le cimetière. Il y a un moment ou un autre, je vais être obligé de tirer des balles. Ah ouais. Ah, t'as presque réussi à m'avoir, mec. En une demi-seconde, j'ai cru que t'allais me foncer dessus. Ah, j'ai fait le pas de côté avant. En fait, on vous tourne autour, vous êtes mauvais. Je retire ce que j'ai dit, je suis mauvais. Oui, d'accord, donc il... Faut que je trouve la deuxième clé, quoi. Devinez qui est mauvais, qui n'a plus de vie. Des tonneaux pétables. Des tonneaux pétables. Oui. Non, ils sont pas pétables, ceux-là, flûte. J'ai réussi à me paumer dans un mètre carré. Ah, lui, il est pétable. Eh, je dis j'ai plus de vie. Qu'est-ce qu'il me donne de la vie? Ils sont sympas quand même, hein. Et des balles au passage aussi. Bon, les balles, j'avoue, c'est bien. Mais c'était pas forcément ce que j'avais le plus besoin. Ah, ça dépend sur quoi on me fait tomber. Oh. Ah. Faut que je mette des trucs dans la bougie. Enfin, non, sur les statues. Ok. Je suis désolé, ça doit vous donner la gerbe, mais moi-même, c'est pas ouf. Comme sensation, mais... Bah, j'ai quand même besoin de checker à droite, à gauche, s'il n'y a pas un monstre qui m'arrive dans les gencives. C'est quoi à dire, mais ça me ferait un peu chier de me prendre un monstre dans les gencives. Ouais, c'est pas comme si c'était une pièce ultra grande, quoi. Enfin, une zone ultra grande. Olé Raoul! Merde, j'ai loupé Raoul, désolé.
Yes. Ah, je peux voir un truc. Enfin, des piafs, putain, mais vous me faites peur, les piafs. J'ai cru que c'était un monstre. Saloperie de piaf. Ah. Ah, je la connais, la technique du on met un faux monstre ici. Il est pas normal ton feu. Ah! Non mais sérieux quoi les mecs! Les zombies là on voulait repère à 10 km! On sait qu'ils vont se relever! Alors, journal du gardien. Combien de temps pourrais-je contrôler mes propres pensées avant qu'elles ne prennent le contrôle de ma conscience? Oui, on s'en fout. Je devrais être reconnaissant quand même. On est d'accord que là, le truc du gardien. Je pensais qu'il avait un putain de monstre avec lui. Je vais pas l'avoir posé là le vinyle, mais bon. Ah, je l'avais pas vu, tiens, celui-là. Il y en a au moins 4 du coup. Oh, attendez. Ça sent le boss. Ça sent le boss. Je vais prendre le vinyle et sauvegarder. Parce que juste en dessous, ils disent, il m'a béni d'un grand fils. Je sais pas, ça sent le boss pour moi. Bah, vous allez me dire. Si peu de temps après un boss comme j'ai eu tout à l'heure, là le mec avec sa faux. C'est bizarre, mais bon. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait pas la première fois qu'on nous fait un coup comme ça dans un jeu. Apaisant, relaxant, ça a changé l'ambiance habituelle. C'est fermé de l'intérieur. Le jeu, il m'a fait. T'as sauvegardé pour rien. Bon, bah, on va sortir. Ah, au moins, c'est fait, j'ai sauvegardé. Déception. On peut pas prendre la voiture ? Mais l'arbalète, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, on laisse là. En fait, j'ai pas besoin de récupérer les carreaux. Je m'en sers pas. Enfin, j'en aurais besoin, je dis pas. Allez, ma petite Raoul.
Mange ton pruneau. Y'a autant de choses de marquer sur cette porte? Attendez, à part le... Ouais, à part le TP, y'a rien d'autre, hein. Ça mène réellement au TP. On va aller voir vers le truc des pierres bizarres. Attends, ça me permettrait de bien cliner la zone. Ah, parce que voilà, il y a encore Raoul. Raoul, mange ton prénom. Voilà, ton prénom t'a fait du bien. Enfin, je suis pas sûr, mais chut. Holy fuck. Olé Rodriguez, olé Rodriguez. Et il court après le pigeon. Fuck. Yes. Ton pote n'est pas venu. C'est parfait. Ouais, Médor, aboie un coup, tu vas voir, bam, dans ta gueule. Hop là. Voilà, Médor. Oh putain, j'avais pas vu ton pote. Il est con, ce chien. Mais il est con. Mais qu'il est con. Olé! Ah, ils sont faciles à esquiver, eux. Le Wizbot, c'est pas sympa à essayer de me perturber. Écoute, le jeu, tu me proposes des munitions de fusil à pompe si gentiment, même si tu ne fais pas de petite façon de préliminaire pour me les présenter, ça me va, hein. C'est des munitions de fusil à pompe, j'accepte. Il est mort, lui. Il est mort. Supporte encore ta voix. Oui, tu supportes ma voix, un gros gros. Pourquoi tu m'as dit ça, Alberic? Tu savais que j'allais dire une connerie. Oh, un bénitier. Ma bouteille est déjà pleine. Guide du... Note du gardien. Entrée numéro 2. Bien que les initiés les plus anciens aient dit à plusieurs reprises de ne pas poser de questions sur le gardien... À Lord Elfren, il me semble que c'est un sujet sensible au sort de restreint. Pas mettre quoi mettre d'autre comme message. A que coucou. Ou plutôt, à que coucou. Pas... Est-ce qu'il y a des informations intéressantes? Non. Yes. Sa première note était inintéressante, sa deuxième note est nulle à chier. Et on reste au cimetière à fouiller. Ça m'énerve parce que j'ai pas les indices pour la maison et avoir l'arbalète. En vrai, ça m'agace. J'aurais voulu l'arbalète. Tout le monde a envie d'une arbalète avec soi. En vrai, je me demande juste si l'arbalète est plus puissante que l'arc. Enfin, que le pistolet. Ah mais putain, comment gâcher une balle? En une leçon. Trompez-vous de touche.
me fais plein de munitions en attendant. Écoute. Par contre, il y a un truc qui m'agace, c'est que pour les statues, il faut leur donner quelque chose, j'ai l'impression. Mais je n'ai aucun indice sur ce que c'est. Non. C'est vraiment du démerde-toi, quoi. Il faut donner un truc aux statues. Quoi ? Je sais pas, démerde-toi. Mais celle-là, on l'a déjà fait comme house. T'as cru que j'allais pas te voir, mon loulou ? Cherche pas, t'es à moi. La porte est fermée. Comment dire, fais-toi chier à faire le tour. Bah dis donc mon petit Raoul, tu te sens pas un peu seul maintenant que j'ai buté tous tes copains? Allez, prends donc un pruneau comme tes copains. Ah putain, le piaf! Non mais où? Petit con, bah. L'autre, il est venu me grailler sans me demander la permission. Oui. Écoutez, des objets de soin, hein. Je ne dirais pas non. Ah ! C'est problématique, ma foi. Du coup, j'ai fait le tour. J'ai fait le tour, je crois. On va vérifier, mais je crois que j'ai fait le tour du cimetière. Dire que t'es obligé de prendre l'objet pour le laisser, histoire que, après coup, ils te disent « Ok, vas-y, c'est bon. » Je vais utiliser la boîte de Potius, là, pour le récupérer. Nous sommes les 6. Ah, j'ai fait le plein de balles. Ça, c'est cool. Mais je sais pas comment résoudre le problème. Quand la mère tient son enfant,
Ça va être son éternité. Ok. Quand la mère tient son enfant. Ok. Ok, une énigme de plus. Une énigme de plus. En vrai, là, je suis bloqué. Quand la mère tient son enfant. J'ai rien vu qui peut correspondre à ça. Ah, une des statues. Vite, je peux pas y aller là-dedans. Ah, l'instinct du gamer. Ah, attends. Sais-tu comment on roule comme les dératés du volant? Non, je sais, je vois plus la blague. Vas-y, fais-la. En tout cas, le croque-mort, on l'a pas trop vu, hein. Ça va. À tombeau ouvert. Ça doit être ça, la blague. À tombeau ouvert. Ah ah! J'ai quand même trouvé avant que t'aies le temps d'écrire. Bon, bah, je suppose que c'était juste une question de temps. Oh putain, ramène-toi le piaf! Je vais te shooter, je vais te mettre une balle. Ah, je t'ai eu, saloperie, va. Alors oui, j'entends plein de bruits de cercueil qui bougent. C'est cool. On sait qu'il y a Raoul qui veut sortir me taper un petit check. Là, ce que j'aimerais bien savoir, c'est... On me pose une question. Et dans le loot, il faut que je réunisse ça. Attends, qu'est-ce que tu m'envoies? Hop. Aïe. Ah. Avec son point en stage. Il y a une petite faute. Il y a eu une toute petite faute, je pense, dans le message. Mais c'était rigolo. Attendez, j'en profite. Waouh, il y a eu du blabla. C'est bon, le jeu n'a pas crash. J'ai peut-être parlé un peu trop vite. Non, c'est bon. Bon, alors, la première tombe où j'ai pu aller, c'est ici. On m'a parlé d'un enfant. J'ai vu qu'il y avait un monstre spécial. Et un mort de chez mort.
Donc c'est pas là. Et j'ai trouvé un bout de clé. La moitié supérieure d'une clé mystérieuse. Où est la partie inférieure, du coup? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller me retaper deux gerbeurs? Non. Il y a un truc que je dois pas voir dans le cimetière. Et je sais pas ce que c'est. Oh putain, j'entends le corbeau. C'est pas ça pour eux. Saloperie, va. C'est pas là. Je bug dans le cimetière. Mon Dieu, où c'est que là est la suite de l'énigme? La statue, ça. Oh putain, il y a des piafs. Ouais, je t'ai entendu, le piaf. T'inquiète, je m'en vais. Va te reposer sur ta branche tranquillement. Avec un petit camembert. Je crois que je le vois, il est là. Bam! Allez hop! Couchez le piaf. C'est marrant, j'ai quand même vachement plus de précaution. Dans voir de jeu que dans un vrai FPS. C'est un vrai FPS, putain, mais je suis une burne. Ah, y'a rien par là. Ah, y'a rien. Ouais, donc non, il y a une autre partie de clé à avoir qui est dans la tombe où on parle de la mer. Quand la mer et l'enfant seront réunis. Mais qu'est-ce qu'ils appellent l'enfant? Grande question à 120 à Mars. Note sur l'eau bénite. On va essayer dans la pièce d'à côté, enfin dans la zone d'à côté. Même si je vois pas pourquoi, j'aurais plus de chances de me débloquer ici. Ouais.
Que s'est-il passé ici? Mais est-ce que t'as vraiment envie de le savoir, ce qui s'est passé ici? Réfléchis un peu. Est-ce que t'as vraiment envie de savoir pourquoi les gens se sont fait massacrer ici? Alors, selon la map, on peut aller derrière ça, hein. Ah ouais, piailler les piafs, piailler, ça me dérange pas. Alors. Ah putain, il faut que je lise les chiffres. Eh. Alors attends. Je vois pas du tout ce que ça pourrait être. Alors attendez, comment je pourrais déchiffrer ces 4 chiffres, ces 4 jeux de chiffres? Parce qu'en haut, on a l'indice. Hein. Ah mais si ça, c'est A et D. Ah ouais, mais là, ça ferait quoi? Ça ferait 5. J'ai compté le nombre de traits. Non, ça ferait 4. Ah, mais attends, il faut que je monte ça vers le haut ou ça vers le bas? Alors, si je compte le nombre de traits. Un petit. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Et le dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Essayez, hein, donc ça fait. Elle dit combien 6. Je fais un petit trait. 7. 4, 6. Ça me semble bizarre, mais bon. Bon, c'est pas ça. Essayons une technique. Putassier. On va essayer en binaire, hein, tout simplement. On passe en binaire. Soyons fous. Ah, j'ai pas essayé celui-là. Ça va être long, hein. Ça va être trop long, en fait. Ça va être beaucoup trop long. Et je suppose que la réponse de l'énigme est en haut à gauche du tableau. Il y a 4 jeux de chiffres. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 symboles. Donc on peut même pas vraiment les séparer. Il me faut 4 chiffres. Donc il y aurait eu 8 symboles. J'aurais pu dire, bah ils vont 2 par 2. Mais même là, je n'aurais pas comment calculer le truc. C'est ça le problème.
Est-ce que dans mes mémories... J'ai des milieux. Ok. Bah non, ça peut pas être 63, 58, 26. Putain, mais l'énigme en fait elle est juste au-dessus quoi. C'est juste au-dessus du AD. Mais il faut juste que je trouve comment la comprendre. Hallucinant. C'est hallucinant comme je trouve aucune réponse. Alors, partons que les trois derniers symboles, ça veut dire AD. À quoi correspondent les trois premiers? Et comment les calculer? Si on compte le nombre de traits qui tombent ou qui montent, dans un premier cas, ça fait 4, 6, 3, 5. On va tester, 4, 6, 3, 5. 4, 6, 3, 5. Oui, bah ça me surprend pas. Si on compte le nombre de traits total par symbole, je l'ai déjà fait tout à l'heure, à moins que je me sois planté, mais il y a un tiret sur le premier. Je peux même pas montrer à la souris. Ça marche à la souris? Bah non, ça marche pas. On voit un tiret au tout début. Un tiret, le grand du haut, et quatre petits qui descendent vers le bas. Ça fait 6. Le deuxième, bon, on a le plat. Et on en a 6 à côté, donc ça fait 7. Ensuite, ça ferait 4. Et le dernier, il y en a 5 qui penchent. 6, 7, 4, 6. J'ai mis un gros doute là-dessus, je crois que je l'ai déjà essayé en plus. 6, 7, 4, 6. Voilà. Donc non, ça peut pas être ça. Ouais, je sais, là. Je suis même pas sûr que les derniers symboles, c'est pour le A.D. Ou sinon, il faut trouver une logique avec l'alphabet. Ah, mais si 4 tirets, ça veut dire A. Que le D, c'est 2 tirets et une apostrophe. Enfin ouais, vous êtes sympa, mais non, moi ça me donne pas plus de solutions. Enfin, je sais qu'il y a 20... Ouais, mais même pas, il y a 26 lettres dans l'alphabet, donc je pourrais pas faire en me partant sur l'alphabet par rapport à cet indice. Et je vais pas m'amuser à faire les... je sais pas combien de possibilités qu'il y a, quoi. Parce que même en partant sur du binaire, là, on a déjà pris 5 minutes à en faire... Non, peut-être pas. On a pris du temps juste à faire les 50 premiers, quoi. Sur l'horloge du... Enfin, sur les messages... Le premier message du gardien. Combien de temps pourrais-je contrôler mes propres pensées avant qu'ils prennent le contrôle sur ma conscience? Ouais. Et donc, c'est pas ça.
Enfin, y'a pas d'indice. Je suis en train de me dire, mais quelque part doit y avoir un indice, c'est sûr. Mais où ? Où c'est que ça peut être ce putain d'indice ? Est-ce que ça devrait être ailleurs que je l'ai ? Est-ce que j'ai regardé dans la pièce du storage ? Ça se trouve, c'est dans la pièce du storage qu'il y a un indice. Il y a combien de cadavres dans cette maison ? Storage room. Allons-y, allons-y, Alonso. C'est vrai que la pommade, c'est le truc dont je pourrais plus facilement me passer dans mon inventaire. Non, y'a pas d'indice. Je suis sûr que c'est les symboles qu'il y a sur le dessus qui pourraient m'indiquer la date à rentrer. Mais je vois pas comment. C'est bien parce qu'ils mettent les trucs à la manette, enfin à la souris, moi je suis à la manette. Ils sont gentils, commande à la manette. Comment on fait pour se retourner rapidement ? Ah pas. Ah pas. Tu veux te retourner rapidement ? Meurs. Ok, donc non, c'est pas ça. Si on regarde l'horloge, elle est arrêtée sur combien ? Sur 20 et le 7. 7h20. Ça donne 19h20. On va essayer 19h20, tiens. Je pense pas que ça soit la solution, mais... Oui. Ouais, ah. Ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau. Alors, du coup, il y a ça, il y a l'énigme de là. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a sous la serre que j'ai pas fait. Ah merde, c'est... Couché, sale bête. Alors attendez, on va aller dans la zone save. Il y a la boîte de Pontus. J'ai envie d'y aller pour réfléchir.
Donc il y a une énigme, quand l'enfant et la mère seront réunis, ça s'ouvrira. Qu'est-ce que je dois réunir avec quoi? Je ne sais pas. Il y a cette énigme pour avoir l'arbalète, ou... je ne sais pas non plus. Je peux avoir la clé inconnue. Objet spécial, clé inconnue. À quoi ça sert? J'ai pas mal de carreaux qui traînent. Ah, j'en ai vraiment pas mal, j'en ai 60. Clé de l'inconnu, je sais pas du tout à quoi ça sert. Je peux me le payer, mais je sais pas à quoi ça sert, donc j'ai pas trop envie de me le prendre. C'est un peu... Ouais, allez, vous savez quoi? Ah, c'est 100 000 qu'il faut, j'ai que 18, ah merde. Et donc ça doit ouvrir cette porte. C'est sûr. Non, c'est pas on dirait des masques tribaux, hein. C'est des masques tribaux, ma petite. Ah oui, mais 18h20, c'est l'heure du maître, c'est pour ça que les horloges sont sur 18h20. Donc c'est pas du tout une indice pour... Pour ça, ça y est, je me souviens, dans le manoir, on avait eu une énigme de 18h20. Sans nous donner d'autres indications. Donc c'est pas ça, la solution. On n'a jamais eu de date, hein. J'étais en train de me demander, mais non, on n'a pas de date. Hop, tiens. On va en profiter. Je peux me faire la serre, ça me permettra de débloquer une nouvelle partie du truc et peut-être me faire du matos. Mais ça avancera pas le schmilblick. Je te dis que mes énigmes, je les comprends pas. En fait, j'aurais un point de référence pour calculer mes chiffres. Ça pourrait le faire, mais j'ai pas de point de référence. Bah, vachement moins bien roulé. J'ai testé au nombre de pics, mais c'est pas ça. Là non. Dans les journaux, attendez, on avait trouvé un autre journal du gardien. Cette page est manquante. Ok. Super, ça j'ai 15. Attends. Ah, le gardien, oui. Ah, c'est sûrement lui qui m'a amené. Ouais, donc là, c'est... Attendez. Sa tête, elle avait tourné. La tête, elle regarde ailleurs, là. Regardez.
Elle regarde ce cadavre particulièrement. Alors, elle regarde le mort. Mais je peux rien faire avec. Enfin, je veux bien lui mettre une balle, mais ouais, non, ça. Alors, est-ce que si je vais voir un autre cadavre, elle regarde automatiquement. Oh, si, elle regarde automatiquement les cadavres, ok. Elle a un problème avec les cadavres, elle a compris que c'était pas cool. Pour une fois que j'ai remarqué que sa tête bougeait, je me suis dit, ah, il y a un indice. Crève. Crève, non, il n'y a pas d'indice, hein, c'est juste... Elle regarde les cadavres. Ok. Je prends l'heure si vous avez des idées pour les lignes du tableau. Attends, je pense que je vais essayer de me faire la serre. J'ai pas d'autre vraie solution. Ah, parce que... Oui, non. C'est désagréable comme bruit, mais bon. Voilà, à aucun moment elle a regardé dans une direction particulière, donc... Si elle regarde pas dans une direction, ça veut dire qu'il n'y a rien à récupérer. Là, on va se retaper monsieur au gros tas de feuilles, je pense. Il va falloir que je me le calme au fusil à pompe, je pense aussi. Ah, je l'avais pas senti arriver celui-là. Hey, je t'avais esquivé, ma grosse. C'est quoi, vite le con. Ah bah attendez, vous allez me dire que dans tout ce foutu... Toute cette foutue serre, ah si, il y en a, mais c'est des monstres. J'ai trouvé des balles, c'est cool. Ah, je l'ai pas vu lui. Et toi ? Et toi Raoul, prends ta balle. Oh, je viens de rechercher la clé ici, mais bon. Un truc à ce niveau-là.
Ok, donc, du coup, je vais déverrouiller là, ça me sert à rien. Mais c'est déverrouillé. Soyons honnêtes, hein, ça m'a servi à rien, mais c'est déverrouillé. Allez donc, tu te dandines, mon loulou ? Explosif celui-là. Allez, c'est le gros balourd hein, qui m'inquiète plus que ça. Fait quand même très Resident Evil du pauvre. Oui. Ah bah oui, non mais il se cache pas de l'inspiration de Resident Evil, mais... Ah putain, mais ils étaient deux. Mais là, en fait, là où Resident Evil, les énigmes sont, comment dirais-je, logiques et réfléchies, celui-là, il y a des énigmes... Ouais. Ouais, vas-y. Vas-y, si t'as pas l'indice pour te démerder, tu peux te brosser. Fais 5 chargeurs de fusil à pompe, ça c'est cool par contre. Cela par exemple, je dois faire en sorte que la mère et l'enfant soient réunis. Ok. Pas un souci. Qu'est-ce que la mère, qu'est-ce que l'enfant ? On va retourner voir l'énigme. Hein. Allez, j'ai fait le tour du cimetière, il y avait rien à ramasser. Je suis dans la zone d'à côté, il y avait rien à ramasser. Ou si, il y a une arbalète, mais je sais pas comment la déverrouiller. Là, on te met 6 statues. Ah, c'est le même blabla à chaque fois. Celle-là, elle fait un bruit différent des autres. Le pire, c'est que c'est vrai. Hein. Mais je pense que c'est parce qu'il y a des bougies au-dessus. Et que j'entends les bougies. Il y a un message ici. Quand la mère tient son enfant, il se réveillera de son sommeil éternel. Ok. Quelle statue est censée être la mère? Quelle statue est censée être l'enfant? Et la musique, elle est sympa, mais au bout d'un moment, elle me saoule. Là, j'ai fait le tour complet du truc. Le seul endroit où je suis pas allé, c'est dans la petite chapelle, parce qu'il me faut le deuxième bout de la clé qui est gardé dans la tombe. J'avais eu une note. Ah, là, c'est celle-là. Note de l'eau bénite, moi et un groupe. Et un bol rempli d'eau, ainsi que quelques livres. Thank you.
Ah mais non. Attendez. On va tester, mais je pense pas que ça soit ça. Faut que je mette de l'eau dans tous les trucs? Ah mais j'ai... Ouais, voilà. Non. C'est pas l'eau qu'on fait marcher le truc. Et ce qui m'énerve, c'est que j'ai fait trois fois le tour du cimetière, tu vois, donc... Y'a pas un moment, un message ou la personne qui tourne la tête pour te dire « Eh, c'est par là, hein !» Là, c'est juste, bah non, t'as pas le droit de passer par là, et puis t'as deux zombies qui m'y attendent. Enfin, je sais même pas si c'est des zombies, d'ailleurs. Bon, y'en a un qui s'amuse à faire du vomito. Cette porte est fermée. Ouais, donc il faut que je passe par... Par la sorte de mausolée du fond, sauf que je sais pas comment y accéder. C'est cool. J'ai un morceau de clé. J'ai le haut d'une clé étrange, j'ai pas le bas. Je sais pas où est trouvé le bas. C'est ici qu'on avait trouvé le truc. Hein. On va revenir. J'ai toujours la crainte que ce monstre-là se relève. Non, y a rien à y foutre. Y a rien à y foutre. Je crois que bah, ça va bientôt faire les 2 heures de live classique. Donc je vais abandonner là pour ce soir. Parce que je n'ai aucune putain d'idée. Et pareil pour le tableau là pour déverrouiller l'arbalète. Je n'ai aucune putain d'idée sur quel est le code à saisir. Pour le déverrouiller. Enfin c'est cool hein, c'est un joli cimetière, il y a de la tombe hein. Ça serait quand même vachement cool si on avait un indice sur qu'est-ce qu'on doit chercher. En vrai, la musique, elle commence à me saouler aussi. Là. J'avoue que je baisse les bras pour ce soir. Demain, ça, j'aurais pas plus la solution, mais... Mais bon... Je suis en train de me dire, pour le tableau, la solution est marquée sur le tableau, il faut juste que je la comprenne, que je comprenne l'énigme. Et par contre, pour le cimetière, là, j'ai vraiment aucune putain d'idée. Ouais, c'était ça qui... De toute façon, je sais faire un truc. Donc voilà, on va prendre un disque vinyle, celui-là. Ouais. Et on sauvegarde. On a déjà entendu celle-là comme musique. Les disques vinyle classiques, ils ont pas de musique particulière. Non, là, j'ai bugué, hein. Je suis désolé. Je suis désolé, j'ai pas trouvé les solutions des énigmes. Puis je suis sûr, mais que c'est un truc à la con. Que j'ai pas compris. C'est ça qui m'énerve encore plus. C'est que je suis sûr que c'est une putain d'énigme à la
très simple, mais que j'ai pas compris. Et je crois que ça c'est encore un peu plus saoulant du coup. Enfin bon. Ça sera pour un autre soir. Oh, le chat qui se lève, il a compris que j'allais sûrement aller dans la chambre juste après. Enfin non, j'ai un petit tour à faire avant. Alors du coup, Ronan est sur Rimworld, Draker sur Assassin's Creed, Bemos, sur... Seul, bah on va vous envoyer chez l'ami Ronan. Comme d'habitude. Pas comme d'habitude. Donc quand j'y pense, j'avoue. Hop. Putain, il m'a même pas proposé tellement il est bas parmi ceux que je suis. Ce soir, bah, moi je vous remercie d'avoir suivi ce live qui se termine sur un bloqué. Je vous dis une prochaine fois pour de nouvelles aventures et je vous souhaite à tous une bonne soirée.